Il y a eu un peu de retard sur cet épisode, que je l'ai raconté dans la vidéo de bonne année 2017. C'est en fait, j'ai déjà fait cette partie, mais en fait, la vidéo a bugué, donc en fait, j'ai tout refait depuis le début pour revenir là. Donc, si j'ai pas le même niveau, le même équipement, le même nombre de zombies, tout ça, c'est normal, hein, c'est parce que il y a eu ce bug, donc voilà. Donc, la partie là, enfin, je vais arrêter comme un épisode où c'est que ça a bugué. Je connais tout ce qui a passé, donc je vais pas vous le dire, hein. Je sais très bien les cinématiques et tout ça, donc je vais vous laisser regarder, enfin, je vais parler de ça, mais. C'est juste qu'en fait, voilà, il y a un bug, donc si vous voyez que tout n'est pas pareil, bah c'est normal, c'est juste pour vous dire. Donc voilà, et pour si pour y avoir du retard. Bon, il y avait les fêtes aussi, mais bon. Voilà, donc vous voyez que bon, je me suis arrêté là, donc au épisode 3, genre j'ai buté vers moi et j'ai arrêté. J'ai rien fait de plus, hein. Nanana. Bon. On va faire les. Bon, voilà, donc, voilà, trop marrant. On va faire la mission. Allez, go. Attends, merde. Au niveau de la map, c'est où? C'est là. Bon, je prends cette autoroute là-bas. C'est parti! On fait du ski de neige alors qu'il n'y a pas de neige quoi. Oh putain, c'est vraiment incontrôlable cette merde. C'est passé, pardon. Dégage. Ah merde. Ouais, c'était moi, désolé. Putain, allez go. Pas les coups de l'événement, go. Aucun homme d'obscurité ici. Quelque chose a dû les faire fuir. Ils sont partis où? Donc pour vous dire aussi, je veux dire quoi merde, je sais plus. Ah oui, bah, je crois que je l'ai dit dans l'épisode 3, mais vraiment, je veux dire, c'est qu'il y a eu des droits d'auteur par rapport aux musiques dans le jeu. Enfin, je sais pas, parce que c'est vraiment le seul truc où je vois le droit d'auteur. Donc voilà. Oh, et le squelette. D'accord, est-ce que j'ai pas d'armes pour les squelettes, d'accord. Bon, j'ai mes points. Très bien. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y avait un. Donc, on n'entendrait plus de musique. Je suis désolé, mais. J'ai pas envie de me prendre des droits d'auteur sur la gueule. Parce que bon. C'est pas que ça ferait pas mal au cul, mais un peu. Donc voilà, zombie, bam. Bon, le point possible, c'est que ça va être. Dans les épisodes. Là, peut-être que j'ai fait sur ce truc. C'est que j'ai galéré pendant, je crois, une bonne dizaine de minutes sur cet endroit. Parce que je savais pas du tout. Où c'est que c'était en fait, où c'est qu'il y avait les objets, parce qu'on voit le George Fouille avec l'appareil photo là. Et je savais pas du tout où c'est que c'était, donc je t'ai un peu niqué. Oh putain, je l'ai tranché lui. Des 7 toi. Fouille ça. Non, fouiller. Fouille. Voilà. De la ferraille. Ah, bientôt plus de batterie, cette armure. Vas-y, défonce-le. Oh putain, mais il décède. Ah, c'était censé voilà. Être un repli pour les troupes d'Obscurus. Alors, qui a amené tous ces zombies? Alors, non, on fouille les pourquoi du comment. Oh tiens, ça c'est bon. Voilà. Merde. L'appartement de drugstore. La caserne de pompiers. Évidemment, nous cette pièce. Voilà. Ça déjà, ça enlève ce qu'on s'était fait chier la dernière fois. Allez. Go. Donc là, par contre, je chasse un monstre. Bon, je suis pas un zombie, hein, logique. Hein. Ah, d'accord. Donc là, il y avait une arme spécialement pour truc, non? Bon, c'est pas grave. Go. Go à la casse. Je fais de l'étincelle quoi. Ah, on va quand même aider cette personne. Bah les couilles. Bah ils font mal les cons.
Sonne-toi. Franck. Voilà. Je crois qu'il est mort, ouais. Comment il est parti tellement loin? Non, ils sont en train de nous manger là. Mon dieu. Comment j'ai envoyé Valdinguer quoi. Ouais, je dis Valdinguer, je peux en prendre avec quelqu'un. Là, on récupère la ferraille. Bien sûr, la ferraille. On récupère la ferraille. Bam. Zbum. Bon, allez, on va faire les... Oh putain. Vas-y, est-ce que j'ai des fusils d'assaut? Ouais, c'est bon. Dégage! Franck! Hola! J'allais justement t'appeler! Chut! La casse grouille de soldats d'Obscuris! Ouais, je m'apprêtais à... Hé! Hey, on pourrait pas rester ici pour me couvrir! Ouais! Entendu! Je couvre vos arrières! Super! Allez go! Donc là il faut l'infiltrer. La phase d'infiltration. Alors dans notre épisode je l'ai fait dans mon chien, donc on va essayer de la faire comme il faut celle-là. Bon ok, on va arrêter les phases d'affectation parce que putain, je suis en mauvais. Putain mais... Voilà, bon ça. Voilà. Voilà. Headshot dans ta gueule. Rien ne vaut un bon pistolet. Oh putain. Bon, ok. Oh putain, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Non, je veux le mitraillette, s'il vous plaît. Voilà. Ta gueule. Merci. Là, parce que genre, en fait, on dirait que je suis le daron, enfin, dans les familles américaines. Genre, je sauve... Je sauve littéralement la ville, enfin... Pas, je trouve ça drôlement humoristique. Ça fait chier. Décède. Voilà. On se soigne. Je me quitte. Et vas-y. On est reparti. Ah oui, donc là, je sais pas entre en fait, c'est tout con. C'est là-bas. Allez, couille de la discrétion. Moi. Putain, mais arrête avec cet acteur. Fais pas de dégâts. Mais putain, mais tape-le! Mais... Allez! Putain, mais... Parfois, il a tellement de mal que c'est... C'est hallucinant. Allez, c'est parti. C'est parti. Surprise civile en train de manipuler l'un de nos ordinateurs. À vos ordres. Et voilà le boss. On peut parler, non. Bordel, ce type veut me faire...
Défonce la gueule. Bah allez, qu'est-ce que tu fais? Ah bah voilà. Je suis grave dans la merde. Vite, prends ça. Allez, descends-le. Non. Putain de merde. Je suis grave pas prêt. J'ai pas de nourriture. Vite, un snack. Allez, vite. Mange. Vas-y, là on va se le faire. Ah! Putain de merde. Quoi? Ma gueule. Voilà. Oh, tu fais chier. Voilà. Pas beau ça. Ah, là c'est cool. Quoi? Tu te fous de ma gueule. Apprécie. Ah. Ouais, pas la peine de la montrer à tout le monde. Excellent. Sacré mec. On va pouvoir me voler de scoop en faisant ami-ami avec cet arrêt. Franck, par ici. Ouais. Ces ordures ont capturé Darcy. T'as vu de quel côté ils sont partis? Westridge, je crois. Vous allez les pourchasser. Sauver Darcy. Peut-être pas intentionnellement. Ok, je vais essayer de découvrir où ils allaient. Allez-y, je vous appelle quand j'ai du nouveau. Bon. Voilà. Bon, ça, actuellement, j'étais à 20 minutes de vidéo, là je suis à 12. Bon, c'est pas grave. On va essayer de tous les défoncer. J'en ai ma claque de ces pseudo-journalistes. Je dois me concentrer sur ce qui se passe ici. Allez, go. On prend la dépanneuse et on se barre. Enfin, j'appelle ça, enfin, ça se change. Oh merde. On prend le véhicule, on y va. Non, non, non. Merde, attends. Wow, ta gueule. Putain, je crois que j'ai désactivé l'unique, pas du tout. La radio, elle est toujours là. Brad, Obscurus traque quelque chose. Je pense sérieusement que c'est un monstre zombie particulièrement horrible. Un monstre? Ah. Ouais. Je crois que c'est ce qui a attaqué la galerie marchande. Je vais à Westridge pour le pister. Oh, pour ceux qui savent pas, les éléments... Oh merde. Franck, dites-moi. Qui parle? Allô, Paula? Franck, Obscurus a tendu un piège au barrage. Ils vont le capturer là-bas. Vraiment? Ah bah faut que je vois ça. À plus tard. Attendez, Franck, dites-moi. Alors les éléments proches, je passe par d'assaut, parce qu'en fait, ils arrêtent pas de pas voir tu le fais, mais ils se reprendront dans quelques instants, je crois. Donc c'est pas... Ah oui, alors là il y avait un abri, je l'ai fait, mais apparemment même n'importe quel final, si tu l'as fait, tu l'as fait. Merde. Donc tu vois, c'est pas super intéressant. Vas-y, attends, on va tout défoncer eux, parce que... Pas que vous me cassez. Ah merde. Ouais, en fait, on va se barrer. J'ai pas vu ma vie, mais bon. Ah, ouais, merde, alors je sais pas où il faut se barrer. Allez go. Dégagez les zombies. C'est bien, allez. Ah putain. C'est cool qu'on le trafique. Décédé, bon bon quoi. Putain, je suis un bon combo là. Ah excusez-moi. Je suis un peu enrhumé. Mais oh merde, putain, c'est pété. Donc si la voix est un peu dégueu. Genre des excuses et quelques petits bruitages un peu pas très glamour. Je m'en excuse totalement. Alors, oui, alors je disais, les éléments en fait, même si on les fait, on se croit pas, donc voilà, je prends la tête de tous les faire, on va en faire quelques-uns. Hein. Mais dès que je suis dans mission, je. Et si, c'est parce que. On va bientôt passer à un autre let's play, donc j'aimerais bien qu'on fasse ce let's play le plus rapidement possible. Enfin, j'essaie de faire des trucs, hein, vous inquiétez pas, je vais pas le rusher, mais bon. Oh putain, la motocross. Par contre, elle est maniable de merde. Maniabilité de merde. Allez, tu passes. Non, faut que je passe par là-bas. Non, si. Go. Oh putain, mais c'est quoi ce métier de votre véhicule de merde? C'est par là. Oh merde. Et boum. Wow. Putain. Putain mais... Oh.
Ma vérité de merde. Tu crois que ça vaut la peine? Oh merde. Oh, je vais mourir. Je suis mort. Ah putain, le con. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, deuxième mort du let's play. T'as que des morts cons, genre t'as une mort épique, genre en plein combat et tout. Donc, je tombe dans la moto. Et là, je tombe du supermarché. J'adore mes putains de morts. Je ferai jamais de mort épique dans ce putain de jeu. Ah putain, le pire ennemi du joueur, c'est... Oh tiens, bah nickel, on a un abri. Il vous faut quoi? Des marques de créateurs, à ce prix-là. Oh. Ouais, un truc sympa, écoute, tu nous files ça. Qu'est-ce qui me paraît le plus sympa? Oh, ça c'est vrai que ça a l'air terrible. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Oh, ça a l'air énorme. Qu'est-ce que je... Allez, partez tuer des zombies. Oh, ça a l'air monstrueusement énorme. Wow. Wow. Oh, je pense que c'est ce qu'il me fallait, quoi. Oh, il me faut peut-être des lunettes. Wow. Mon Dieu. C'est un putain de régal ce véhicule. Ah merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Par là. Go. Je vous imaginez, les gens qui ont des traits français, c'est un peu une... Et vous savez, vous avez trouvé, tu vois ton papy. Ton papy, genre qui est en train de faire tranquillement son putain de chant. Tu imagines, tu vois avec ça. C'est un truc excellent, quoi. Oui. Wow. Ah, mais fais chier, quoi, c'est des gommes autant de bons jeux. Ah, putain de panneau de signalisation, ça veut pas ça. Bon, rentre. Ah, c'est bon. Oh putain, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit insane? Dégagez! Laissez passer! Père de famille au boulot. Ah, bon bah dommage, c'est là qu'on va s'arrêter avec ce petit bidule. Allez, go. Que venez-vous faire ici? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez ici, l'artiste? Non mais ça veut dire quoi, votre question? Qu'est-ce que je fais ici? Ces pecnos m'ont drogué et traîné jusqu'ici, j'avais rien demandé. Vous êtes photographe? Ouais, je bosse pour National Geographic. On m'a envoyé photographier la vermine qui sévit dans le coin. Et bingo, je vous ai trouvé. Super. Deux. Pas de vivre, mais il nous envoie deux foutus journalistes. Oh là, attendez. Vic, elle était là? C'est votre collègue? Pas vraiment, mais je suis un peu son professeur. Vous avez de l'influence sur elle?
En théorie, oui. Écoutez, il n'y a que des citoyens bons et honnêtes ici. Avant ça, j'étais fermier. Les autres, plombiers, commissaires priseurs, bouchers. À présent, on est soldats. Franck, le monde n'est plus le même. Pour rester à Willamette et prendre de belles photos, vous devrez devenir soldat vous aussi. Mon soldat, cette salope de Vic, je l'ai recrutée. J'ai partagé nos ressources avec elle. Et ça a été des questions à la peine. Elle voulait tout savoir de nos raids contre ces salons militaires. Quoi, où, combien d'armes on emportait. Je la croyais de notre côté. Du coup, mes gars se retrouvent là-bas, coincés dans une putain d'embuscade parce qu'ils savaient qu'on arrivait. Ok, ok, je saisis le problème. Je vais m'occuper de Vic, d'accord? Mais j'aurais besoin d'un service en échange. Comme tout le monde. Ah. Non, écoutez. Ces types, ils manigancent quelque chose. Tu dois découvrir de quoi il s'agit. Ouais. Franck. La seule qui saurait comment entrer dans ce barrage, c'est Amanda, imagine. Elle était en charge du raid. Celui pour lequel votre copine nous a poignardé dans le dos. Écoutez. Je suis votre meilleure chance, ok? Laissez-moi aller m'occuper de ça. Je sais pas. Bon, ok. Ok. Mais, hé, vous n'avez pas intérêt à merder, West. Vous êtes des nôtres, maintenant. Mettez-le au parfum. Donc voilà, là je vais t'arrêter là, mais bon, vu que la vidéo n'a pas duré trop longtemps, on va quand même continuer un petit peu. Par contre, déjà le mec il a une sale gueule et il a l'air pas très sympa. Oh attends. Allez West, en route. Ah bah tiens, justement, un truc pour créer notre machine de la mort qui tue. Bah tiens, j'étais sûr qu'il l'avait en plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va essayer ça. Bonbonne, papillote surprise. Ok, donc ça. Et un explosif, je crois que c'était ça. Non, pas ça. Voilà, comme ça. C'est quoi ça? Ouais, combo. Merci MacGyver. ouais. Vas-y, go, on va lui parler. J'écoute, c'est quoi l'histoire? Amanda a emmené quelques gars au collège de Willamette. Obscuris les a coincés. Il n'y a pas eu encore d'échange de tir, mais ça ne saurait tarder. Je pige pas. Pourquoi prendre le risque de vous attaquer à eux? Vous avez pas d'autre moyen de vous ravitailler? Tom veut faire passer un message. C'est l'impression que j'avais. Écoutez, Amanda est compétente, mais elle tiendra pas longtemps. Vous devriez vous dépêcher. Autrement, c'est de vous que Tom s'occupera ensuite. Compris? Ok, je fonce au collège de Willamette. Go. On va s'occuper d'autre chose. C'est un peu chelou quoi, quand ils s'occupent des gens qui sont avec eux quoi. Ah merde, est-ce qu'il n'y aurait pas un foutu truc pour créer avec ça? Parce que moi je veux le plan pour ça quoi. Oh tu sais quoi, on le prend, on bat les couilles. Tututututut. La ferme. Bon, c'est le niveau de la carte ouais. On se là-bas et on part. Ah putain mais... Quel con. Oh faut arrêter. Faut arrêter de sauter comme ça. Tu crois que c'est la fin du monde? Oh, une autre somme de véhicules. Écoute, moi je te laisse là, tu m'as cassé les couilles, très fort mes couilles, on prend un pick-up. Ah. Je défonce le portail, rien à foutre. Ah. Il y a un nettoyer le refuge. Franck, j'essaie de vous contacter depuis des heures. Voilà. Non, non, pas de musique. Et s'il le torturait pour obtenir des informations? Pourquoi? Il sait quelque chose? Je sais pas trop. Écoutez, j'ai un autre problème à régler là. Je vous rappelle plus tard. Go. Eh ben, genre là, parce que je pense que le son est un peu fort. Est-ce que c'est moi ou. On a peut-être. Non. Ouais, comme ça, ouais. Parce que les voix sont un peu fortes pour moi, je trouve. Après. On verra bien au niveau de ma vidéo, mais... Je trouve ça un peu fort. Bon, c'est pas grave. Allez, go. Ouais, tout est abri.
Oh, les abris sont tous, hein. Bam, bam, Zidorstar. Décède. Tu vas pas mourir, c'est bon. Bam. Je le souhaite. Bam, bam. Dégage, 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 dégage. Voilà. Ah ouais, d'ailleurs, on va tisser cette nouvelle arme. Hein? Ça va pas. Ah, petite musique et tout. J'aime bien. Ah, oh. Qu'est-ce que j'aurais à me donner? Ah, t'as... Tu vends des vêtements, toi, sérieux? M'intéresse. N'hésitez pas à faire le plein. Qu'est-ce que tu vends? Les armes. Ouais, bon, ça, j'en prendrai à le créer, je suppose. Ah, sabre laser. Oh, c'est genre l'arme... Oh, genre... Non. Je le crée. Bon, bah, les couilles. Je le créerai plus tard. Mais allez, c'est pas grave. Tâchez de revenir vivant. T'as bon, tu t'es demandé de l'étonne, tu prends quoi, genre? Je suis bien content d'être à la brise. C'est le moment où jamais de faire la Ah, ça, c'est excellent. Ah, je prends. Allez, file donc, tu es des zombies. Ah, oh, bah, là, ouais. Ou marchande des lieux. De lieux. What? tu vends des lieux. Bonjour. Ah, je me disais aussi. Vous avez trouvé un truc? Voilà, j'espère tout. Pas je sais pas du tout à quoi ça sert, je t'achète. Hey, voilà, d'accord, allez go. Bonne petite journée de travail là, avec du zombie. Là. Par contre, tu sais, moi je m'attendais toujours, les survivants ils ont des gueules de survivants. Non, ils sont plutôt en fait la gueule de leur ancien métier. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait un autre psychopathe quoi. On a pas vu, on a juste vu le Père Noël. Parce que moi ouais, les gars, à la base, Dead Rising, quoi, c'est pour les psychopathes. Moi, j'ai joué, c'est vraiment le best du best. De chacun leur petite histoire, comment ils ont fini comme ça, pourquoi ils ont fait ça et tout ça. Et j'adore. Alors. Ah putain, j'ai des points de trucs à dépenser aussi. On fera ça plus tard. Tu. Allez. Ah, ta gueule la musique. Putain, faut que j'y pense, hein, parce que je vais me prendre une grosse hauteur sur cette merde. On dirait que quelqu'un a ouvert le feu. Bah, attendez d'abord. Bon, l'ingénieur, j'ai besoin de toi. Attendez deux secondes, je vais juste aller voir, tant que vous décédez, hein. Je vais voir qu'est-ce que... Mais tu peux pas sauter, sérieux? Ma gueule. Je peux pas rentrer dans cette petite maison. Attention. Dégage, pars-toi. Voilà. Wow. Oh putain. Putain, je suis trop con, moi je les plante avec des explosifs quoi. Oh, ça c'est du mec. Mon dieu. Oh, je peux pas prendre celle-là? Pas de la nourriture, si là, je dois avoir. Dégage. Voilà. On se bourre bien la gueule et on est reparti. Voilà. Dégagez. Voilà. Alors, il est où le coup? Il est derrière. Il est... Merde. Il est pas qu'il en haut. Allez. Il est par là. On fait ça, on va faire la quête. Mais bon, putain, merde. Oh, fait chier, je pensais qu'il y avait quelque chose. Ah, non. D'accord, je crois que c'est en bas. Oh, fait chier, c'est verrouillé. Bon bah, c'est pas grave. Dommage pour les gens qui sont en dessous, je crois que c'était un bunker là, tu peux sauver. On se barre. Go. Vers le lycée. D'ailleurs qu'on va. Je vais bientôt reprendre là, bientôt les cours. Super ça, on va dans un collège alors de bientôt reprendre les cours.
C'est super, je pense que vous avez passé de bonnes vacances au moins. Oh, bon, t'es dégagé. Ah, c'est la bombe. Ah, d'accord, elle a décidé si j'arrive au temps. Il faut aider les autres. Vous avez un nom? Frank West, photojournaliste. Oh merde, putain. J'aimerais avoir un petit exosquelette, putain, mais faut avoir des exosquelettes pour tout faire dans ce putain de jeu. Merci pour que tu cours assez vite. Les gars, bon sang, Franck, ces gars ont besoin de soins. Vous pouvez tenir Obscurus à distance? Pas de problème. Prenez-vous pour Florence Nightingale, je serai Rambo. Et quand ça sera fini, on pourra échanger. Vous préférez pas que je vous sois juste redevable? Merde, mais t'as pas pris de coup, et ben voilà. Je me mets à l'abri. Bah, c'est pas du tout comme sur Call of Duty quoi. À 12h, enfin je crois. Saloperie. Genre le mec qui prend carrément cul sec quoi. La bouteille. Décède. Ah, nouveau personnage sur la arme. Quoi? Oh putain! Décède! Non! Ah putain! Oh merde! Qu'il n'aille pas décédé! Sont blessés, faut les ramener au Prectum. Ah, désolé de rien pouvoir faire. J'ai des choses à régler. Oh. C'est vraiment un enfant. Excellent quoi. Par contre, c'est la meuf qui nous a aidé, c'est le barman du début. Putain, tous les personnages qu'on connaît. Bon, sauf elle, il y a des sens. Ah bon. Ça, c'est un des personnages qu'on peut jouer dans mon type. Putain, tous avec eux. La purée, je pensais pas. Bon, bah, je pense qu'on s'est arrêté là pour l'épisode 4, les gens, hein. Ça va faire déjà une bonne petite vidéo, c'est sympathique, histoire de bien reprendre le let's play. Bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, les gens, n'oubliez pas de lâcher un com, de liker, et je vous dis à la prochaine, les gens. Ciao!